Sais-tu quelle est l'origine du chant 1-2-3, vive à l'Algérie? L'histoire raconte que ce chant légendaire a pour origine la guerre d'indépendance de l'Algérie. En 1958, le FLN, donc le Front de Libération Nationale, fonde une équipe de football. L'équipe du Front de Libération Algérien de Football, surnommée le 11 de l'indépendance. De nombreux joueurs de football professionnels évoluant en France composent cette équipe. On y retrouve d'ailleurs plusieurs joueurs qui évoluent à l'époque dans l'équipe de France. Cette affaire fait la une de tous les journaux, et la Fédération Française de Football est tellement furieuse qu'elle met pression sur la FIFA pour interdire la reconnaissance de cette équipe algérienne. Cette non-reconnaissance de la FIFA ne freine absolument pas les ardeurs du 11 de l'indépendance, et cette équipe fait plusieurs matchs amicaux. Et c'est précisément durant l'une de ces rencontres que ce chant « 1-2-3, vive à l'Algérie » a été popularisé. En effet, à l'époque, les indépendantistes algériens avaient été très intelligents et assez précurseurs, et ils avaient choisi un slogan en anglais à prononcer, à chanter dans le stade, pour s'adresser surtout aux journalistes étrangers qui étaient présents dans le stade et qui pouvaient donc relayer cette information. Et bien curieusement, ce slogan n'était pas « 1-2-3, vive à l'Algérie », mais « We want to be free, vive à l'Algérie ». Donc « We want to be free », »,« Nous voulons être libres », »,« Vive à l'Algérie », Vive l'Algérie. Mais avec le brouhaha du stade, les supporters qui étaient présents n'ont pas très bien compris le We want to be free, et très rapidement ce We want to be free est devenu 1-2-3, vive à l'Algérie. Et depuis, ce chant fait fureur dans tous les stades algériens et même un petit peu partout dans le monde. Voilà, j'espère que cette information t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne.